Our bomb movement will always create chances. When those chances come, we capitalize. Finishing is our work today. Mr. Hunter, your focus and determination today was an example to us all. Thank you. Bonjour à tous, on est avec Pierre Ménès à Madrid aujourd'hui, à Bernabéu, dans ce stade toujours aussi impressionnant. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Real Madrid face à Getafe. Gareth Bale, le Gallois, devenu une référence européenne. Quand tu penses qu'il a débuté latéral à Tottenham, et qu'aujourd'hui c'est un attaquant de pointe au Real, c'est assez incroyable. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif. La perte de la balle. Pour la composition de l'équipe visiteuse.
c'est donc un 4-5-1 classique hein, que l'on va retrouver dans cette formation. Dans ce fil milieu, pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Le Santiago Bernabéu, pas l'homme, son président du Real, mais le stade, on est en plein cœur de Madrid. Ouais, 80 000 places, c'est un des plus gros d'Europe. Hein. Plus impressionnant, c'est évidemment la salle des trophées. Et donc, pour nettoyer les coupes, ça pour un moment. Ouais, l'arbitre qui a bien vérifié que tous les joueurs étaient prêts, qu'il y avait le bon nombre, et le Real qui donne le coup d'envoi à l'instant. Inter. Modric. Karim Bale. Et l'intercepte. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Alors le ballon est perdu. Et le Real qui a donc confié une bonne touche à Zidane. Et ce choix qui a été payant tout de suite avec deux victoires en Champions League. Et pour une première victoire, quelques jours seulement après sa dérogation. Deux victoires contre l'Atlético, puis une victoire contre la Juve à Cardiff. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, le jeu, c'était pas là. Ballon pour Hunter. Caval. Le ballon qui change de camp. Rafael Varane. Sadio Ramos. Casemiro. Ouais, il arrive gardien. Sans souci. Avantage pour le Real Madrid, ça joue. On s'approche du but. Benzema. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Matengaï. Shibazaki. Angel. Sergio Ramos à interception. Asensio. La passe est interceptée. Allez, le tir de Karim Benzema. Le joueur de Real Madrid qui obtient donc un corner. Qui va chercher Sergio Ramos. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Shibazaki. Angel. Sergio Ramos. Faire sortir la défense, hein, c'est clair. Et on a dégagé pour écarter le danger. Il tente sa chance de loin. Le gardien qui place ses joueurs sur ce corner. Le corner pour cette équipe qui pousse et qui sent l'adversaire en difficulté. Le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. Oui, c'est bien d'avoir tenté, mais de cette distance, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. On voit bien sur les images que le tireur essaie de mettre de la puissance, mais ça ne suffit pas. En direction du point de pénalty. Modric. Modric. Il paye pas de mine, hein. Il ressemble pas grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il part
très grand, 1m74, il n'est pas super beau gosse, mais alors quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. C'est quand même étonnant ce qu'on voit, une équipe qui ne se livre pas du tout. Il cherche un petit peu dans la surface. Et quand même, ça devient un petit peu chaud. Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Bien réfléchi quand même. Celui-là, on a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Alex Hunter. Casemiro. Lucas. Attention à la frappe. Le ballon qui sort encore moins pour le tour de Real. Surface, le corner de Modric. Le gardien qui préfère boxer ce corner. Le dégagement pour éloigner le danger. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Ah, il est à l'interception. Aaron Barry. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match, toujours pas de but, 0-0. Que diriez-vous sur la prestation au cours de cette première période de Gareth Bale? Il n'a rien réussi de transcendant jusqu'ici, pas de but, peu d'occasion. On espère qu'il va se réveiller un peu après le repos et être un peu plus efficace. Le coup d'envoi de la seconde période. On va voir s'il y a eu des ajustements tactiques. Shibazaki. Angel. Ivan Valero. Il a débordé la défense. Et c'est un petit peu choisi la frappe. Casemiro, Marco Asensio, le ballon qui change de position, un prochain arrêt de jeu, et les Lucas vont faire rentrer un petit peu de son neuf. Et ce serait pas mal, oui. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Sur le côté, personne devant lui. Centre de Gareth Bale, bien joué. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Modric. Il repousse le tir. Récupération de Casemiro. Modric, Casemiro. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Luka Modric. Ballon pour Hunter. Ah, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Et corner. L'occasion peut-être de prendre les commandes dans cette rencontre. Ah, et carton jaune hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Voilà, on sent que l'arbitre a hésité. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Le corner en direction du point de pénalité. On reste sur ce score de parité. Oh,
corner était bien tiré, mais il rate complètement son geste. D'ailleurs, je crois qu'après, regardez, il s'excuse même auprès de ses partenaires. Interception sur cette passe de Marcelo. Ivan Valero. Markel Bergara. Aaron Barry. Avec un tir. C'est un corner. Ce ballon est touché. Un dernier lieu par le défenseur. Corner à négocier pour ces joueurs. Les coups de pied arrêtés vont compter aujourd'hui. Ce corner au niveau du point de pénalty, enfin, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée. Grand soulagement du gardien. Marco Asensio. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, le centre, mais contré par le défenseur. Shibazaki. Mais là, en passé, il prend sa chance. Ah, dommage, il avait l'occasion vraiment de prendre l'avantage. Elle a insisté à un changement côté Getafe. Ah, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu. Interception. Modric. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Les joueurs du Real qui y croient, des situations comme ça, ils en ont déjà vécu des tas. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Allez, il peut y aller seul, Gareth Bale, mais il a également du soutien autour de lui. Marcelo, l'occasion peut-être de mener. Et le but, le but. Alors qu'on se dirigeait vers la fin de ce derby. Peut-être que Daniel a une sérieuse option sur la victoire. Oui, parce que Marquez, c'est pas vraiment un arabe. Le but du Suzanne de Tremble. Le sourire entraîneur du Real Madrid, on le comprend. Son équipe mène au tableau d'affichage. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. 5 minutes de cash en hein, temps réglementaire. Gêné. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Modric. Real Madrid qui s'approche du but. Marcelo. Il a fait bien jouer sur ce ballon qui était difficile à négocier. Attention, ils peuvent tuer le match sur ce corner. Qui va chercher un partenaire dans la surface. Petit aveu donc. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadeau. Modric, Marcelo, ouais, peut-être une situation intéressante là. Le joueur du Real qui l'emporte donc, coup de sifflet final de l'arbitre.
Et voilà un derby en tout cas très bien géré hein, par cette équipe qui avait apparemment bien préparé son coup. Je crois qu'elle ne pouvait pas faire plus plaisir à ses supporters. Hein. C'est le match qu'ils attendaient et surtout le résultat qu'ils espéraient. Un petit mot peut-être sur la performance d'Asensio dans cette rencontre. Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. Il a toujours su accélérer le jeu. C'est une superbe performance.